à point Karenia. Je fais mon maximum, hein. Je suis prof d'anglais. J'approuve cette traduction. Je vous rappelle d'ailleurs que Benzaï a vraiment traduit des jeux, notamment la version WiiWare du Hit Dreamcast indépendant Rush Rush Rally Racing. Ce n'est pas des conneries, je suis au générique. Donc Benzaï, eh bien, il est dans le milieu, il mouille, il connaît des gens. C'est parti pour le Nord-Ouest. Et visiblement le Nord-Ouest de là. Ah non, mon épée rétrécie, non. Voilà, et la caméra redevient totalement dégueulasse dans l'open world, dans l'overworld, et ça c'est chiant. En tout cas, pour l'instant, c'est mieux que Legacy of Goku. Bouffe mon dard. Oh là là, mais ça va nous filer la gerbe cette connerie. Attendez, il y a une grotte là-bas. Ça sent les PO, ça sent les trésors, ça sent moult choses. Je peux ? Oh merde, putain, elle s'envole. Putain, ça c'est la 3D par contre. Alors là, on est pas dans la merde. Et voilà, et là je t'ai immobilisé et je pleure. Vas-y, go, c'est dans cette caverne. Mais c'est vachement grand comme appart pour qu'ils n'ont rien foutre dedans. Oh, reviens quand tu auras un arc, jeune con. Alors, il semblait à des personnes qu'on pouvait changer la caméra. Alors, moi je sais qu'on peut parer. Merci Excalibur. Excalibur. En appuyant sur Select, il ne se passe rien. Option. Screen. Ah oui! Ah oui! Ah oui, c'est gagné! Ah oui! Ah oui, ah vas-y, mais je mets des couleurs à fond! Mais oui! Oh là là! Voilà, on enlève, on met un peu moins de brightness. La map, comment on peut enlever la grille? Ah oui, regardez, c'est beaucoup mieux ça! Oh oui, oui, oui. Oui, ton tic. Oh là là, oui. Oh putain. C'est parti, on joue un vrai jeu. Oh oui. Oh là là. Aïe. Merde, ça a l'air méchant ça. Ouais, voilà, mais putain, là, le vrai jeu enfin démarre. Du moins dans l'overworld. Alors, par contre, putain, eux, ils servent à rien. Oh là là, ils font chier. Mouais Taïo. Bien sûr, le meilleur Zelda-like, c'est le jeu Dragon Ball sur NES. Mais non, ne reviens pas là, sale con. Oh oui, putain, je mouche. Mais non, reviens là. Voilà, chklouk. Merde! Des hautes herbes. Bon, tout va bien. Moi, je fais confiance à From Software pour avoir fait un truc. Je pense que d'ailleurs, le scénario pour l'instant n'est qu'une surface et qu'en fait, en lisant la description des objets, on apprendra que cette pomme que je viens de récupérer était l'héritage du défunt roi noir dont la femme l'avait trompé et son fils avorté, eh bien le hantait encore aujourd'hui et s'était réincarné dans le ver de terre qui bouffait cette pomme. Et donc je viens de découvrir sa maison cachée. C'est pour ça que le scénario de ce jeu mérite non moins que la note de 23 sur 20. Oh putain, c'est balèze. Merci Sir Gizbit. Oh non, ça avait peur par contre. Alors, est-ce qu'on est dans les bois cachés de la merde? Ou est-ce que ça se passe bien? Ça fout les boules. Ouais, carrément, ok, un quart de cœur. Nickel. Alors, j'ai dit quart de cœur. Alors, on peut tomber? Oui. Ah merde, putain, mais merde, fallait pas le faire.
Oh putain. Donc le chat hein, est bien sûr approuve mon analyse du scénario de Trudelo Gamero, mais je pense que c'est le vrai scénario. Hein. D'ailleurs, je posterai une vidéo YouTube pour vous expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Par contre, hein, l'addon de Bloodborne, hein, lui, il arrivera sur Banzai Live tôt ou tard. Hein. On le fera et on fera Dark Souls 3, peut-être même avant qu'on finisse Dark Souls 2 qui... il me plaît moins que Bloodborne. Oh, la musique est cool. Ouais, il me faudrait un grappin. Bon, ben voilà, on l'a donc eu. C'est grillé. C'est vrai que c'est un peu les nuages de Roddy Mastico. Mais alors, pourquoi cette manette PS3 colle ? Panda, qu'as-tu fait ? Alors, faut savoir que ce jeu, c'est pas un jeu qu'on trouve à tous les coins de rue sur PS3. Aïe ! Merde ! Ah, on va te faire enculer. Bon, ben, descends. Mais pourquoi il veut pas descendre ? Mais c'est de la merde! Et du coup, là, je l'ai trouvé d'occasion à 25€ et je vous assure que c'est pas un jeu qu'on trouve partout. Mais attendez. Et on part là. Oui, voilà. Donc, je suis très con. C'est que ça fait bizarre hein, de jouer avec le pad PS3 après le pad PS4. On sent vraiment que les mecs, ils se sont dit bon, il serait peut-être temps de changer à DualShock quand même. Hein. Le design a quand même 20 ans. Oh là là, bon bah visiblement c'est pas par là. Hein. À moins que je me gourre. Oh là là. Ah mais attends, peut-être que des mensonges se cachent parmi nous. Bah non. Non mais c'est pas grave. Non mais merde, c'est pas grave. Alors si je... Eh bien, écoute Romain, tu paries que je ne porte pas de pantalon, eh bien écoute, c'est faux. Je vais... Hop. Merde. Hop. Je vais te montrer que... Ah putain. Bon, finalement, faut que je me lève. Ah, vous faites chier. Je porte un pantalon. Regardez. Là, voilà. Donc, le 1€ que tu viens de parier, tu le fais tomber dans la tirelire Banzai Live, qui servira, bien entendu, à acheter toutes sortes de hardware dont j'ai besoin. Merci, Vincent. Alors, j'ai de voir Harry Potter et Roddy Mastico. Alors, est-ce que je vais faire un truc pour la nuit de Crone ? Bien sûr. Je ne sais pas encore quoi. Putain, ce serait bien de trouver un jeu un peu particulier pour que cette nuit de Crone devienne spéciale. Et bien sûr, la VOD, je la laisserai aux gens de la nuit de Crone. Ce sera pas sur Banzai Live. Ou alors, si ce sera sur Banzai Live, ce sera pas monétisé. C'est du temps que je donne à une bonne cause. Ce n'est rien d'autre. Donc oui, sur la nuit de Crone. La nuit de Crone. La nuit de Crone. Ah ! Banzai sera présent. Bon ben, allons un peu plus vers l'ouest alors. Les musiques sont super cool. Ah, tu peux jouer avec la manette PS4 sur PS3 en la branchant avec le câble. Parce que là, je suis branché avec le câble sur la PS3. Mais ça, je n'en savais rien. C'est marrant d'ailleurs qu'elle soit compatible. Je pense que ce serait mieux. Parce que bordel, que ce câble est collant. Alors que pourtant c'est pas une vieille manette PS3 vu que Panda a la deuxième version de la PS3 et la PS3 Slim. Alors que moi j'ai une vieille fat. Une fat 40Go de mes couilles. Depuis la cave. Quoi ? Pourquoi une musique de Megaman ? Il y a quelque chose de collant par terre. Oui, c'était un stick PS3. Tu as récupéré un truc collant, blanc et dégueulasse par terre. Bravo. Merci Romain. Et ben voilà. Eh ben, parole tenue. L'aventure commence, donc pour regarder en arrière, j'appuie sur bas. Ah, putain, tu peux trouver des messages à la Dark Souls ? Je fais non, je peux recommander ce message.
Guys, allez les mecs, ce jeu n'est pas si dur. C'était un simple cadavre, mon dieu, quelle horreur. Putain, le trauma, quoi. Tu as récupéré une âme de héros. Putain, mais le jeu, c'est Dark Souls. Là, c'est un, du troll à la Dark Souls. On est dans Demon's Souls. Le développement a été altéré. Trop bizarre ça. C'est la cave de From Software en fait. Oh putain, par contre les moblins ils sont vraiment putain de chaud. Mais j'ai fait un critique. Continuons vers l'ouest. Sinon, de toute façon, il n'y a pas les nuages chelous que j'ai rencontrés la dernière fois. Je pourrais avaler un Octorok. Tiens. Oh là. Mais je ne vais pas jouer à Chrono Trigger pour les nuits de Chrono Trigger. C'est nul. Puis il n'y a rien de plus chiant à streamer que Chrono Trigger. À moins de le speedrunner, quoi. Merci Blue Harvest. Alors si, j'ai déjà essayé de contacter Zambla. Figure-toi. Il n'a rien dit. Par contre, Jesse Volt, oui, ça arrivera. Ça, c'est clair, net. La maison de Wurtner. Ah, mais tu m'as fait... Tu m'as fait peur, j'en ai un petit peu sur les pieds. Le mec s'est pissé sur la jambe. Est-ce que tu te sers bien de ton bouclier? Bah oui, je crois. C'est pas à l'aise. Merci Vincent. Bon, en fait, j'ai pas dit à Vincent, mais en fait, je m'en sers très très mal de mon bouclier. Mais je l'emmerde. J'emmerde Vincent. Vraiment, on va te faire enculer. Dans cette maison, le consanguin, il n'y avait que deux lits pour 20 personnes. Hey! Je te laisserais bien jouer à bloc défense, mais je ne peux pas poser ce truc. Reviens plus tard. Hey, c'est moi, le maître des signes. T'as besoin de moi? C'est quoi un maître des signes? Merci de demander. La légende, le légendaire Sœur Signe... eh bien, a laissé sa marque sur pas mal de signes. Ces mots sont des vraies inspirations pour les aventuriers de Perlemonde. J'ai souvent vu ces écritures de mes propres yeux. Et maintenant, les gens appellent maître des signes, expert en signologie. Est-ce que tu aimerais aussi ce titre honorifique? Merci, Donuts. Bien, continuons. Tout ce que tu as à faire... c'est de regarder le signe, les signes que Sœur Signe t'a laissé. C'est super cool. Merci, tu es maintenant un apprenti. Oh là là, quel beau plan. C'est magnifique. Oh, bienvenue, regarde un petit peu ce qu'on a. Oh, 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 oh. Oh, oui. Oui. Oui, j'achète autre chose, oui, oui. J'achète 30... J'achète 10 flèches. Oh yes. Oh yeah. Oh yeah yeah yeah. Oh mon... Tu es un descendant du sage? Eh ben dis donc, c'est fou. Vraiment, putain, ma journée est faite, là, je suis refait. Oh putain. Hey, tu veux rester à la maison? Merci, Anesthésique Doute. Ben non, ça m'intéresse pas. Oh, mais mal auquel comme moi, peut se laisser perdre dans la forêt du non-retour, parce que bon, c'est vrai qu'on n'en revient pas facilement. Écoutez les amis, je préfère voir du Rule 34 Benzaï Jesse Vol que du Benzaï Spoonie qui existe déjà. Parce que pire, de toute façon, hein, si vous... le mec qui dessine un fan art de Benzaï et Jesse Vol mode Rule 34, elle va le retweeter. La forêt de non-retour est juste là, mon gars. T'es quand même un peu refait, ma couille. Non, on va pas sauter par là. Alors, on explore un petit peu. Ce jeu est foufou quand même. Hein. C'est parti. Pour la forêt du non-retour. De l'enfant errant.
Ah ben merde, le miroir du Rized. Eh hey, mais attends, regarde. Est-ce que cette tabula rasa, c'est pas ce que nous disait Indy? Eh mais bordel, comment on fait déjà pour révéler les secrets? Ouais, merci Cherry. Merci Cherry. Le Toulouse Game Show peut-être un jour. Alors attends, qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, c'est le plan de la forêt du non-retour. Alors c'est O. Attends, c'est nord. Est, nord. Ouest, ouest. Attends, c'est O. Droite, O. Gauche, gauche. Bas, gauche. O, O. Oui, bon, ben allez, on va pas s'y perdre. Hein. Salut vieux con! Oh mais... un humain et une fée ici, enfin un nain, donc un humain mais pas comme j'aime quoi. Qu'est-ce qui vous ramène ici? Ah mais on cherche le flamme de la forêt! Oh mais non, il y a plein de monstres, n'y allez pas bordel les verres! Oui mais bon, mais enfin on a quand même des trucs à faire, ici il n'y aurait pas de jeu. Et Maître Benzo doit trouver la sixième orbe. Oh, vous êtes tout descendant du héros, ça me fait chier de raconter ma vie encore une fois, mais bon. Désolé, je m'appelle Indigo, c'est moi le mage de la forêt. Oh, mais putain, on est vraiment le cumani de nous, mon gars! Bon, d'habitude, je reste au temple, mais là, les acteurs de Friends ont foutu la merde. Quand j'étais plus jeune, j'aurais pu les enculer par derrière, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Ils ont... Moi, j'ai fermé la porte. Derrière moi, ils sont tous enfermés dans le truc. C'est sous acide, putain, les cons. Maintenant, casse-toi. Mais c'est bon, vas-y, on ramène l'orbe et tout le monde. Oui, mais vous avez mon soutien moral. Si vous crevez, je reste là, de toute façon, ouais, ça change rien. Et puis, si vous la ramenez, je vous donnerai de sa magie. Mais d'accord, mais on va faire ça, alors. Faisons comme ça. Deuxième temple. Attention, le jeu quand même déconne pas. Bordel, puis regarde! Mais moi, je pourrais faire ce truc. C'est moi qui vais le faire. Si j'appuie ça, la porte va s'ouvrir. C'est parti. Je suis con. Bon, mais c'est pas grave. Le switch est revenu. Bon, mais j'imagine que j'ai parlé trop vite. J'aurais mieux fait d'aller me faire enculer dans un sous-bois. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut se casser? On pourrait peut-être aussi, tu vois, pousser les trucs. On va mettre le volet sur le mandarine. Bon, mais vas-y, par contre... Petite conne va. Mais vas-y, fée de merde. Vas-y, putain, s'il y a plusieurs fées, ça va me saouler. Bon, ben, on va voir par là, il y aura peut-être un bloc. Oh oui, mon dieu, cette tabula rasa. Attention, un corps, ça fait peur. Merde, c'était 5 simples développeurs de jeu. Merci le niaiseur. Il y a une écriture sur le mur. Voulez-vous la lire? Écoutez-moi. Foncez sur les ennemis, même sur le côté, ça ne marche pas ici. Oh là là. C'est une référence à la série des Is. Voilà, et en fait c'était un code. En fait, voilà. Merci, Mactar.
Alors, le stream HP4 n'est pas encore prévu, les amis. Il arrivera un jour ou l'autre. D'ailleurs, ça pourrait être marrant de faire le Harry Potter GBA pour la nuit de Crone. C'est parti, nous pénétrons dans le deuxième donjon du jeu. Et là... c'est la merde. Mais fais gaffe, il fait trop noir ici. T'as pas une lumière? Ta mère! Ah non, la taboule a rasé! Non! Merci ton coiffeur, tu devrais tailler ta barbe façon Tony Stark. Vas-y! Vas-y, je peux prendre là la torche. Bon, alors le jeu m'a totalement trollé, quoi. Peut-être devons-nous trouver une source de lumière lumineuse. Oh la putain, ça m'a bien pété les yeux comme il faut. Dis-moi, vieux papy, on voit rien. Bon, mais ramène-toi là. Bon, bah, d'accord, mais tu fais chier, c'est du con. Alors, on me conseille d'aller tout droit, c'est parti. Temple de la forêt. Oh waouh, putain c'est fait, il suffisait d'aller tout droit, merci le chat. Comme quoi, hein, vous pouvez faire des choses, par contre pourquoi le jeu se permet de ramer, on est quand même sur PS3. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, des flèches, oh non. Et ben voilà, j'ai un bouclier, dans le cululu. Oh là là, putain j'ai bien fait d'avancer. Merde, mais non. Merci, elle coule. Le jeu rame à fond quoi, what the fuck. Oh, attention les pièges, je les ai déjà vus dans un autre jeu. Oh, on est vraiment pas dans la merde. Hein. Alors j'essaye de... oh putain. Peut-être en bas, il y a peut-être moyen d'aller en bas. Vas-y ta mère. Souviens-toi des paroles de la truite. Alors les gens ne voient rien, mais attendez, on voit beaucoup mieux sur le gamma pété de du retour du truc, parce que moi je ne vois rien, mais alors par contre là sur le retour du machin, clac, je vois même le coffre. Et tu as une clé. Attendez, attendez. Voilà, et là on voit un petit peu. Ah, mais vous voyez un truc de ouf en fait quoi. Ah mais non, mais par contre là ça explose les yeux quoi. Oh. Attendez, il faut trouver un équilibre là. Il faut trouver un équilibre. Bon déjà le jeu, on remet le gamma normal du jeu.
Merci. Ok. Voilà, mais surtout, du coup, donc j'ai remis le gamma normal sur OBS. Et du coup, là, hein, le brightness, c'est beaucoup trop. C'est bizarre qu'il faille tricher comme ça, avec le jeu. Bon, là, on est repassé au de base. Voilà, on a la clé, c'est gagné. Oh là là, oh là là. Oh putain. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que j'utilise mon bouclier, normalement. Et dans ton cul. Alors, donc le jeu commence à renouveler hein, les mécaniques du Zelda-like. Ah, par contre, non, mais le truc, c'est que les trucs qui tirent des flèches, on les voit pas bien, quoi. Attends, il y a une autre caméra, c'est pas possible. Ah non, 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 tu choisis pas la caméra sur le truc, hein. Maître, oh mon dieu, le sol derrière à côté des boutons est de différentes couleurs. Merci Swabs. Tu me conseilles de prendre MGS5? Oui, non. À 20 balles. C'est d'une autre couleur. Fais attention aux trucs qui sont d'une autre couleur que toi. Peut-être que c'est un secret. Prends ça, petit squelette de merde, salopard. Putain, mais par contre, le jeu qui se permet de ramer, quoi. Oh là là, la PS3, Voxel, mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce moteur? Oh non, 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 ne meurs pas, s'il te plaît, fais-toi... Attention, indice. L'honnêteté et l'équilibrium. Très très bon film. Tu révèles le secret. Voilà, donc c'est... Shpluk, shpluk. Shpluk, shpluk. Ah ben non. Attention, va-t-on réussir l'énigme? Et bouge ton cul! Oh là 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 là! Mais bordel de merde! Oh! Et ben voilà! Non, on voit vraiment rien. On va tricher vite. Donc, il y avait vraiment une bougie au village, vous êtes sûr? Mais je suis mouru. Oui? Moi je me mets bien. Aïe aïe aïe. Il y a vraiment des bougies au village? C'est pas ici qu'on récupère la grande bougie? Ah là, le mur il est craqué là, regardez. Bon, j'ai tellement pas fait gaffe à ma vie moi. Putain, le jeu passe en 2 FPS quoi. Chcluc, chcluc. Non, non. Non, mais je m'en bats les couilles. Oh, non. Oh, une mornille. Vous avez tenu le trophée défendeur. Aïe. Putain, des fois, le gameplay est lourd. Mais surtout, en fait, quand ça rame comme ça, putain, c'est pas pratique. Hein. Waouh, 100 G. GG. Enfin, je devrais dire GG, n'est-ce pas? Non. Donc retourne dans cette pièce mystique où il y a des machins. Voilà, je peux pousser ce bloc. Alors putain, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Hein. Bouffe ça. Là, il y a un bloc
Il y a aussi un bloc. Ça bouge. Oh oui. Attends, j'ai trouvé. Tu vois, tu pousses les blocs comme ça. Tu pousses les blocs comme ça. À peu près, tu fais comme ça. À peu près, tu fais comme ça. Oh, mais non, je me retrouve derrière, en quel coup. Oh putain, esti. Ah oh. Alors, attention. Suis-je con, volume 2. Oui, bravo, tu as trouvé la map. Ça va pas non plus inventer l'eau chaude, mais bon. Putain. Oh putain, ça m'explose les yeux. Ouch. Mais surtout, ça rame, bordel. Ça, c'est vraiment naze, hein. Bordel, ça sert à rien de faire un jeu au graphisme minimaliste si la console elle le tient pas, quoi. Alors là, attention. Non. Ok. Donc là, c'est de la base. Voilà. Donc fallait pas faire ça. Mais non. De toute façon, j'ai ma grosse beat. J'ai trop la grosse beat. Voilà. Et voilà. Ah non. Non, 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 non. Oui, voilà. Hop, on a la clé. C'est que mon épée ramasse des trucs pour moi. Merci Karine Desbaches. Tu sais quand je refais des vidéos. Oui, il bosse dessus là, il me semble. Que c'est ton projet. Tu cours en diagonale comme ça, tranquille. Ah, mais oui, mais alors là, mais c'est pas bien. Ah oui, mais attends. Mais non. Fallait faire un truc style. Voilà, clac, clac, clac. Oh, putain! Mais non, putain, c'est un truc ici, là. Vous allez voir, hein, que, à mon avis, le troisième donjon commencera vraiment à être tiré par les hannetons. Ou pas piquer des cheveux. Oh putain. C'est le noir. Putain, c'est pas. Merci Shkakalabag là. Est-ce que tu vas retourner au Québec cette année? Alors c'est pas prévu. Ah ouais non mais non, mais c'est une tourelle, ça m'énerve. C'est une tourelle, c'est pas du jeu. On se casse sur Mars. Oh non. Oh là. Oh mais c'était mal. Oh mon petit Esteban. Oh non. Oh mais oh. Oh mon petit Esteban. Oh oui. Attendez. Putain, faut utiliser la chandelle comme ça là. Oh putain, c'est de la merde. Ah, attendez, là il faut utiliser le serment de vérité de mes couilles. Alors là, c'est oui. 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 Oui, c'est gagné. Ah, attention, là je me tiens prêt à utiliser. Non, c'est bon. Une gelée. C'est marrant, une gelée carrée. Oh putain. Merci, Swalala. Le Lunes Dark de la 360. Oui, la musique est géniale d'ailleurs. Les bombes. Oh mon dieu. Oh là là, je vais pouvoir tuer le Dodongo qui n'aime pas les fumées. Tum, 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 tum. Il n'y a pas de réponse. Ce n'est simplement qu'un signe sur de la pierre. Voilà. Tu as besoin d'une clé, mon gars. Et oui. Le mystère s'est baissé. Je l'ai là. Je l'ai pas là, l'épée de la grosse clé. J'ai pas la grosse clé. Oh putain. Toujours essayer. Non, tu l'as pas. Tu l'as pas. Il faut revenir au début du niveau.
parce qu'il y avait l'endroit que tu pouvais ouvrir avec les bombes. Et surtout là, enfin, attention, nous allons cramer une chandelle. Ah putain, oh, c'est mignon. C'est mignon tout. Voilà, et puis là, ça, on peut l'exploser. Oh putain, oh putain. Merci, question. De stage critique, un métier potentiel, peut-être ou pas. Ça coûte cher quand même de faire venir quelqu'un aux États-Unis. Des États-Unis. Alors, j'étais en train de penser qu'un Zelda Maker avec juste un système de switch rapide des objets, ce serait tellement de la balle. Et c'est un petit peu ce qu'est ce jeu finalement. C'est des mecs qui ont fait Mumuse avec un truc qui fait des niveaux de Zelda à l'infini et qui, à mon avis, va retourner pas mal les codes. Au-delà de ce qu'on attendrait. Je suis où là, bordel? Une petite minute. J'ai pas le clé. Est-ce que j'ai le clé? Est-ce que j'ai beaucoup de clé? Je crois que j'ai zéro clé, putain. On va réussir. J'espère que la chandelle n'est pas limitée dans le temps, hein, parce que là, ça va me saouler. Alors, faudrait qu'on essaie d'aller au niveau qui est au-dessus de moi. Et maintenant, nous avons des bombes. Hein. Merde, voilà. Ouais, de ce framerate à la con. Si vous voyez un autre passage... Voilà, c'est parce que là, j'avais pas vu cette porte. Et oui. Alors, le jeu fait à peu près 15 heures, apparemment, pour être terminé totalement. C'est intéressant, quand même. Hein. Ça fait qu'une heure qu'on y joue. Une heure et demie. Enfin, une heure, ouais, une grosse heure. Oui, c'est une fissure. T'inquiète pas. J'ai déjà vu celle de ton cul, je sais ce qu'il faut y faire. Comment tu bouges ton épée comme un babouin en fait? Oh oui, une chandelle, oui! Tsuki de G-Maker. Un The Order 1886 Maker. Bah oui, mais là tu ferais vite un meilleur jeu en fait. Sclu. Ok. Ok. Attends. Là on est où? Maintenant j'ai une clef. Je peux aller en bas. Ça c'est possible. Par contre, j'aurais aimé ils me disent les clés. Oh si, c'est bon, d'accord. Quand t'appuies sur triangle, il te dit. Qui a les clés? Merde, j'ai gaspillé une bombe. Oh putain, quel con. Et me voilà dans la pièce complètement folle avec deux squelettes élites. Oh là là, il prend un critique. Rien à foutre. Oh là là, par contre, c'est chaud. J'espère que ces puzzles Zelda où tout bouge. Parce que sinon, c'est chiant. Voilà, de toute façon là c'est grillé. Le but, bien sûr, c'est d'arriver à pousser un truc là sur le truc du coin. Oh non, salaud! Ah, le Rodier Mastico Maker, je pense qu'on va réussir. On va essayer d'en faire un. Un jour, j'en aurai marre, je débloquerai des fonds. Bah du coup on peut pousser celui-là, voilà. Je glu 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 glu. Va te faire enculer.
merci. Oui, la clé du boss. Eh, hey, mais attendez une seconde. Ça me fait pas du tout dire comment aller tout en haut à droite. Est-ce que j'ai pas de clé? Il faudra y retourner. Ok. Alors, sauvegardons. Parce que là, c'est combat contre le boss quand même. Ça ne rigole pas. Moi, j'aimerais pouvoir faire un Rodier Mastico 7 officiel, pseudo-officiel, vraiment avoir racheté les droits à l'encore, faire le truc, un truc de ouf, le vendre sur Steam, gagner des millions d'euros, créer une espèce de version émulée d'avance pour Steam, Rodier Mastico Collection avec le 7 justement inédit à l'intérieur, et de faire un truc legit. Merde, regardez l'expression faciale de mon personnage. Merde, putain, ce sont les abeilles. Dr. Bees! Ça fait peur. Ok. Ah, attends, peut-être qu'elle n'aime pas... Ah, oh, putain, non mais... Merde. Oh putain, mais me défonce. Ah, c'est marrant, les... La truc fait une cloche un peu. Et tu peux ramasser tes flèches, et ça c'est cool. Oh là là, les phases de tous les maps. Oh putain, t'es balèze. C'est dur quand même. Echo, on your turn, chérie. Ah mais attends, mais si j'y vais avec mon gros sexe énorme là, c'est bon. Je pense que finalement c'est les boomerangs qui vont être le plus simple. Mais par contre on fait... Putain, regarde là. Comment c'est shiny ce truc. Voilà, voilà. On résiste à tous les assauts. Non mais de toute façon quand... Voilà, mais... Pff. Oh là là, et on dit que la taille ça compte pas. Voilà, blague sur ma bite. Encore une fois, Benzaï Live. Déjà hein, 7 ans de vidéo à base de bits. Le jour où vous en lasserez, c'est le jour où je serai au chômage, mais dans une villa. Alors, prends-toi ça dans ton cul. Finalement, hein, tu ne me fais pas peur. Ah non, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait peur ça. Oh oui, manger les pommes. Oh non. Oui. Non. Écoute, maman est près de toi. Ah. Non, oui, oui, non, oui, ouais, oh, merde, oui, oui, ok. Non mais c'est bon là, maintenant, abandonne. Mais en fait, il y a chié ce boss. Oh non, j'ai rien dit, calme-toi. Ah mais maintenant c'est bon là, vas-y. Ah, ah, ah. Oh mais attends, il vaut mieux attendre alors. Et putain, mais t'as combien de PV, sale conne. Je ramasse le pognon. Oui. Oh là là, la joie se lit sur mon visage. Bravo. Pas de rien. Niquez vos mères. Franchement, va aller vous faire enculer. Oui, ok, c'est l'orbe verte. Oui, mais
mais c'est super, Master Benzo. Tu l'as fait, t'as tué cette merde sans hésitation. Allez, maintenant, je pense que... Je commence à penser que c'est vraiment que t'es legit, t'as la street cred, tout ça. Allez, maintenant. Mes amis qui ont été capturés par le méchant prêtre noir, eh bien, je sais pas où ils sont, mais ils sont là-bas. Faudra y aller, faudra se bouger le cul. Allez, on ramène l'herbe au mec en face qui l'en est. Récupère ça, voilà, tu as récupéré Wind Wing. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Dis-moi tout. Qu'est-ce que c'est ça? Move to any in. Ah oui, d'accord, putain, c'est un téléporteur vers l'auberge la plus proche. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Non. Calmez-vous bien avec les contrats, s'il vous plaît. Pépé. Oh, mais bordel, mais tu l'as trouvé. Oh, mais putain, qu'est-ce que t'es brave. Maintenant, prends ce pouvoir, voilà. C'est un sigle à chier. C'est la magie du shader qui s'appelle Reflect. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça réflecte les forts ennemis. Donc comme ça, ça fait ce que c'est écrit dessus. Ferme ta gueule. Je pense que ça nous aidait à atteindre la paix maintenant. Eh bien, foutez le camp jusqu'à l'est, au temple du désert. Là-bas, peut-être que je vous rendrai visite ou pas. J'aime pas trop les gens qui habitent dans le désert. Ça me stresse un peu leur chapeau bizarre là. En tout cas, merci. Allons à l'est du château. Merci Yam. Voilà. Et je t'ai ramené ici parce que tu n'as pas utilisé le machin. Non, mais stop. Calme-toi. Alors attends, j'enlève un peu de saturation et surtout je remets le contraste normal. Voilà. Bordel. Donc là c'est bon, on a quand même deux donjons. Hein. Et le prochain est à l'est. Bleu. En fait, il suffit de bourrer bas pour descendre. C'est pas d'appuyer. Et les salles à droite, Benzaï. Ouais, mais j'ai pas de clé, donc je sais pas, je comprends pas. Je sais pas. Écoute, je ne sais pas. Alors, tout ce que je sais, hein, c'est que... Bouge ma pute. En tout cas, le jeu est beaucoup mieux depuis qu'on peut changer la caméra. Oh putain. Non mais stop. Là c'est pas le désert ardent. Voici l'auberge de Fiona. Moi comprendre animaux. Ici, doge très fin. Pas content, moi donner chien nourriture, moi gentil. La musique est cool, hein. Non mais voilà. On arrive à un point où ça fait une heure et demie qu'on joue. Et il faut parler à 10 personnes d'affilée et ils vont nous dire... On peut trouver des armes, Megaton. Je suis un géologiste déçu. Et je connais beaucoup de pierres déçues. Oh, je suis... Ah non, attends. Il dit plutôt comme ça. Je suis un géologiste de ce... I'm research many kinds of stones. Mais ce Bluster Iterin est vraiment chiant en termes de visibilité, bordel. Ah, c'est 5 euros la chambre. Non, bah c'est pas grave.
J'ai entendu dire que l'un des tombeaux appartenait à un héros légendaire. Bien sûr, achète des trucs. Tu veux une A, une hein? Tu un hein, hmm? Bon, voilà, achète des bombes. Voilà. Oui. Achète des potions. Il y avait donc des candles. Il y avait même des lampes. Tu peux acheter des lampes. Une lampe pour de vrai. Donc, écoute, fais ça. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Désolé, mais le sage du vent, il est parti. Donc, si tu le cherches, il cherche le truc pour sceller le pouvoir magique des méchants. Et reviens plus tard, ok? J'ai rien à foutre là, et rien à foutre là. Je n'ai rien à foutre là. Et les mecs, ils sont putain, putain de balèzes. Oh, ça va, moi. Oh, putain. Ah, voilà, mais c'est quoi ce petit sexe que je me lance? Oh non, ah, mais non, mais attends, c'est mon bouclier, il ne sert à rien. Mais alors là, je dis non, je vais casser. Non, 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 non. Cassons-nous. Il est quelle heure avec cette connerie? Et vous êtes combien sur le chat? Je me pose toutes ces questions. Alors, le décor est joli, hein, mais. Je n'ai rien à foutre à l'ouest. Non! On est 1700, wow. Ah non, on est 1000. On est 1000 ou on est 1700? Ouch, ouch. Ah ouais, non mais les mecs. Ouch, 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 ouch. Bon, je me casse. Je me casse sur Mars. Ah oui, mais là je reflète les projectiles, vas-y. C'est de la merde. Mais quelle arnaque! Ce jeu me consterne. Je pense qu'on y reviendra dans un prochain stream de l'insomnie. En tout cas, cette découverte en deux parties, on va essayer de faire un donjon intéressant par VOD, n'est-ce pas? Parce que là, finalement, on s'en bat les couilles. On peut retourner là où c'est intéressant. Putain, mais attends, non, c'est pas là. Mais non, c'est pas là. Mais non. Mais non, mais... Quoi? Je suis déjà au nord du château. Mais attends, c'est déjà le château. Quoi? Oh là là, mais le temple du gras. Mais non. Calme-toi. Non mais le château, il est là. Putain, mais ça c'est le Dothnia Castle. Mais alors, attends, mais je suis où moi? Mais je suis pas du tout. Je suis le point vert aussi. Mais faut le dire. Est-ce que tu peux te téléporter? Ah oui, tu peux utiliser le Wingia. Ouais. Alors, regarde, faisons ça. Allons voir ce bon roi. Histoire de se foutre la honte en se trompant d'escalier au retour. Regarde, c'est parce que quand tu rentres par la grande porte, t'arrives là, mais après quand tu repars... Ah non, t'es quand même obligé de monter pour le voir, le roi. Donc en fait, je n'ai pas d'excuse d'oublier de sortir par la bonne porte comme un sac à l'air. Par contre, j'essaierai d'installer les données du jeu, voir si les temps de chargement sont plus courts. Wow! T'as trouvé l'orbe jaune, bordel! Mais c'est fou, mais cherche le reste alors! Tu veux savoir comment le royaume est devenu passé en 3D juste parce que j'ai dit vas-y, on le fait? Bien, la raison c'est que. Parce que c'est moi le roi, nique ta mère! Ouais!
Et donc, eh bien, sinon, hein, par contre, le destin, c'est sur tes épaules, hein, Benzo, ça c'est ton désir. Hein. Ok. Assez awkward quand même, l'écriture de jeu. Alors j'essaierai de me souvenir des paroles de la truite la prochaine fois. En tout cas, le jeu est bien intéressant. Idéal pour des longues nuits d'insomnie, de streaming. Et après une heure et demie, là, je n'ai pas envie de faire un donjon de plus ou de moins. C'est terminé. Ben non, mais vas-y, mais ferme ta gueule, on se casse. Terminé. Arrête de pisser.